Dominion over witchcraft powers. Domination sur les puissants de la sorcellerie. Listen to God very well. Écoutez Dieu très bien. Dominion, as we heard when this night began, la domination comme l'avons entendu quand la nuit a commencé, is the destiny of man. C'est la destinée de l'homme. Dominion is my destiny. La domination est ma destinée. Dominion is your destiny. La domination est ta destinée. God created man. Dieu a créé l'homme to dominate. Afin de dominer. And Jesus redeemed man. Et Jésus a racheté l'homme. For dominion. Pour la domination. Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. Verse 26. Verset 26. God said. Dieu dit. Let us make man in our image. Faisons l'homme à notre image. And let man have dominion. Et que l'homme ait la domination. Now. Ephesians chapter 2. Maintenant, Ephesians chapitre 2. Verse number 6. Verset 6. The Bible says. La Bible dit. God has raised us up together with Christ. Que Dieu nous a élevé avec Christ. God has raised us up together with Christ. Dieu nous a élevés avec Christ. And made us to sit in heavenly places. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. And célestes. That heavenly place. Et les lieux célestes. The Bible confirms. La Bible confirme. In chapter 1. Au chapitre 1. Verse 21. Verset 21. Of Ephesians. Ephésiens. Chapter 1. Chapitre 1. Verse 21. Verset 21. Far above principalities and powers. De loin au-dessus des principautés et des puissances. We are far above principalities and powers. Nous sommes loin au-dessus des principautés et des puissances. And Jesus in Luke chapter 10 verse 19. Et dans Luc chapitre 10 verset 19, Jésus. Jesus said. Jésus a dit. I give you power. Je vous ai donné la puissance. To walk upon serpents. De marcher sur les serpents. Upon scorpions. Sur les scorpions. And over all. Et sur toute la puissance. That is dominion. De l'ennemi, ça c'est la domination. That is dominion. C'est la domination. Now when you go to Colossians chapter 1. Lorsque tu rentres dans Colossiens chapitre 1. Verse 13. Verset 13. Listen to scriptures tonight. Écoutez les écritures ce soir. To prove that you are a dominator. Afin de vous convaincre que vous êtes un dominateur. We are all dominators. Nous sommes tous des dominateurs. In the book of Colossians chapter 1 verse 13. Dans Colossiens chapitre 1 verset 13. The Bible tells us. La Bible nous dit. We. Que nous. Have been translated. Nous avons été transportés. From the kingdom of darkness. Du royaume des ténèbres. To the kingdom of the Son of God. Dans le royaume de lumière qui est le royaume de son fils. And the kingdom of the Son of God. Et le royaume du fils de Dieu. Is a kingdom of dominion. Est un royaume de domination. Is a kingdom of dominion. C'est un royaume de domination. So when we talk of dominion, what do we mean? Lorsque nous parlons de domination, qu'est-ce que nous voulons dire? Listen to me very well. Écoutez-moi très bien. What then is dominion? C'est quoi dans la domination? Dominion, la domination means to take charge. Veut dire être aux commandes. To be in charge. Ça veut dire être aux commandes. To be in charge. Être aux commandes. That is dominion. C'est ça la domination. For example, par exemple, in a class, dans une salle de classe, if they choose you, si on te choisit, as the leader of the class, comme étant le leader de la you classe, are the one to command the class. C'est toi en fait qui dois commander. You are the one in charge of all the two students in class. C'est toi qui es responsable de tous les élèves dans cette you have become classe. A dominator. Et tu es devenu un dominateur. You are in dominion. Tu es comment, are we together? Est-ce qu'on est ensemble? You are in charge. Tu es comment? In this church, dans cette église, we have choir. Nous avons la chorale. And you are the choir leader. Et tu es peut-être le leader de la chorale. You are in charge. Tu es comment? That is dominion. C'est la domination. Dominion also means domination signifie to reign. De régner. To reign. Régner. To conquer. De vaincre. To conquer. Vaincre. That is dominion. Ça c'est la domination. Dominion also means la domination veut encore to be into control. Être au contrôle. To be in control. Être au contrôle. Listen to me. Écoutez-moi. As a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, we are ordained to reign. Nous sommes ordonnés pour régner. We are ordained to conquer. Nous sommes ordonnés pour vaincre. We are ordained to be in control. Nous sommes ordonnés pour être au contrôle. Listen to me. Écoutez-moi. You are not born again. Vous n'êtes pas né de nouveau. To be controlled by circumstances. Pour être contrôlé par les circonstances. Listen to me. Écoutez-moi. You are not a child of God. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. To be controlled by problems. Afin d'être contrôlé par les problèmes. To be controlled by witches and wizards. Pour être contrôlé par les sorciers et les sorcières. To be controlled by sickness. Pour être contrôlé par les maladies. But you are born again. Mais vous êtes né de nouveau. Ordained by Jesus. Donné par Jésus. To control all these things. Pour contrôler toutes ces choses. What is controlling the world?
Qu'est-ce qui contrôle le monde? You are ordained to control the thing. Vous êtes ordonné pour contrôler les choses. For example, par exemple, we have this virus now they call corona. Actuellement, nous avons le virus appelé corona. If corona is controlling the world, si coronavirus contrôle le monde, you are chosen to control corona. Toi, tu as appelé pour contrôler le corona. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? I have told you. Je vous ai dit. There is no sickness. Il n'y a aucune maladie. That can make me not to be in church. Qui puisse m'empêcher d'être dans l'église. On Sunday. Le dimanche. On Wednesday. Mercredi. Me? Moi? Show, show. Show, show. Hey, Katuntu. Anake, Elojan, Tiara. From the day I saw it in scripture. Depuis le jour où j'ai vu dans les écritures. He took my sicknesses. Il a pris mes maladies. He not. Look, listen to grammar. Écoutez le vocabulaire. It is not that he will take. Ce n'est pas qu'il va prendre. That is agenda. Ça c'est un programme. It is still coming. Ça veut dire que c'est encore à venir. He can take. Il peut prendre. It's a condition. C'est une condition. Same as he cannot take. Tout comme il peut ne pas prendre. But the Bible tells me. Mais ma Bible dit. Do you understand grammar? Est-ce que tu comprends le vocabulaire? He has taken. Il l'a pris. He took. Il l'a déjà. Écoute ça. Before I saw it. Avant que je voie cela, I was sick. J'étais malade. I was sick. J'étais malade. I could not eat food that is cooked je by man. Pas manger la nourriture qu'on avait préparée. Listen to me. Écoutez-moi. What I was eating by then. Ce que je mangeais à ce temps-là. Biscuit. C'était les biscuits. I buy biscuit. J'ai acheté les biscuits. I eat. Je mangeais. And I buy Guinness. J'ai acheté la Guinness. I would drink. Et je buvais. If I eat rice. Si je mangeais le riz. Watafufu. Le watafufu. Gari. Le tafioca. Plantain. Le plantain. I will go to the hospital. Je partais à l'hôpital. I was sick. J'étais malade. There are so many food they told me not to eat. Il y avait trop de nourriture. But when I saw it in scripture. Lorsque j'ai vu dans la Bible. Écoute, he took. Il a pris. I said, ah. J'ai dit, ah. Wait, pastor. Look, Kevin. Because I wasn't a pastor by then. J'étais pas encore pasteur. I look at the Bible again. J'ai encore regardé la Bible. Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Verse 4 to 5. Verset 4 à 5. Verse 4 to 5. Verset 4 à 5. He said, he took. Il dit qu'il l'a pris. And the last phrase says the word. La dernière phrase dit quoi? By his stripes. Par ses meurtres. I am healed. Je suis guéri. The healed is ending with ed. Le guéri là c'est au passé. It shows that it is past. Ça veut montrer que c'est passé. By his stripes. Par ses meurtres. I am healed. J'ai été guéri. I said, so I am sick, a sickness that has been healed. Donc, je suis malade, une maladie qui a été guérie. I came back from church that day. Le jour là, je suis rentré de l'église. And I removed money. J'ai enlevé la table. I gave to the house. J'ai donné à la maison. I said, prepare me watafufu and ero. I want to eat. Je veux manger. They started shouting on me in the house. Yeah, you will eat. Oh, you begin to cry again. Belé, belé, belé. Oh, yo. I said, shut up. Are you the one to go to the hospital for me? It's my money I will spend. C'est mon argent que je vais dépenser. My Bible tells me. Ma Bible me dit. He took. Qu'il a pris. Ah. I said, cook me arrow as you eat. Je prépare moi l'arrow que je mange. I ate. J'ai mangé. Nothing. I said, eh? The next day, I said, I want to eat plantain and beans. They prepared me good plantain and beans. I ate nothing till today. Show, show. I am a living stone. Let me tell you something. Why am I sharing this testimony? It's to tell you, you are not born again to be controlled by situations, but you are redeemed by Jesus to control all situations. Some of you know me now for 9 years. Ça fait 9 ans que certains d'entre vous me connaissent. Who have you ever heard that I was hospitalized? Est-ce que vous avez déjà appris que j'étais hospitalisé? I was talking to somebody 2 days ago. Il y a de cela 2 jours, je parlais à quelqu'un. The person was asking me tablet. Et la personne me demandait des comprimés. I said, I don't remember the last time I even bought tablet. Je dis, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai acheté des comprimés. No, to be sincere. Pour être sincère. I don't remember the last time I bought tablet. Je me souviens pas la dernière fois où j'ai acheté des comprimés. I cannot remember the last time I drank tablet. Je peux pas me souvenir la dernière fois où j'ai bu les comprimés. You people had a testimony here on Sunday. Dimanche, si vous avez entendu. Last or the other Sunday. Dimanche, je suis passé. Somebody testified. Quelqu'un a témoigné. He came to church. Il est venu à l'église. June.
Au mois de juin. From that June, depuis le mois de after juin, 2 months, après 2 mois, the person was healed. La personne était guérie. For 10 months, pendant 10 mois, the person said he has never felt even headache. La personne dit n'a même jamais avoir senti un mal de tête. Headache. Le mal de tête. For 10 months he's in this church. Pendant 10 mois que la personne est à l'église. He has never felt me headache. Il n'a jamais senti le mal de tête. Kata. Le rhume. Quoi? La toux. Fever. La fièvre. Le palu. Were you not here? Est-ce que vous n'étiez pas ici? 10 months. 10 mois. Because when you have the consciousness of who you are, parce que lorsque tu as la conscience de qui tu es, you become in charge of situations. Tu deviens en commande des situations. We are redeemed to be in charge. Nous sommes rachetés pour être au commandement. We are redeemed to be in dominion. Nous sommes rachetés pour être dans la domination. Listen to me very well. Écoutez-moi très bien. So until you conquer the situations around you. Jusqu'à ce que tu vainques la situation autour de toi. Until you conquer the forces of darkness tormenting you. Jusqu'à ce que tu vainques les forces des ténèbres qui te tourmentent. You will never gain an upper hand over your enemies. Tu n'auras jamais la main supérieure sur tes ennemis. Deutéronome chapter 2. Deutéronome chapitre 2. Can we read? Est-ce qu'on peut lire? Man of God, please look at it in your French Bible. Deutéronome chapter 2. Deutéronome chapitre 2. Listen to the Bible. Écoutez la Bible. Dominion. La domination. Guarantees our victories in this world. Garantit notre victoire dans ce monde. Until you dominate them. Jusqu'à ce que tu les domines. You cannot gain an upper hand. Tu peux avoir la main haute. You cannot possess your possessions. Tu peux pas posséder tes possessions. The Bible says. La Bible dit. Rise it up. Take your verse 24 of Deutéronome chapter 2 verse 24. Verset 24 de Deutéronome. Rise it up. Take your journey into thy hand. Take thy journey and pass over the river Ammon. Behold, I have given unto you thy hand Sihon, the Amorite, king of the Heshbon, and the land. Begin to possess it and contend with him in battle. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Heshbon, Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. I have given you the land. Je vous ai donné le pays. Meaning what? Qu'est-ce que ça fait? I have given you prosperity. Ça veut dire je vous ai donné la prospérité. I have given you health. Je vous ai donné la santé. I have given you marriage. Je vous ai donné le mariage. I have given you fruitfulness. Je vous ai donné la fécondité. But for you to enjoy them, mais pour que vous puissiez jouir de ça, you must fight the powers of darkness. Vous devez combattre les puissances des ténèbres that are blocking you. Qui vous bloquent. Now look at Genesis chapter 14. Maintenant regardons Genèse chapitre 14. Verse 14 to 16. Du verset 14 au verset 16. It makes us to understand. Cela nous amène à comprendre. Dominion. Que la domination. Over the wicked. Sur la méchanceté. Guarantees our possession. Garantit notre possession. As dominion guarantees our possession. De même que la domination garantit notre possession. It also guarantees our restoration. Et garantit également notre restauration. Lot was taken captive. Lot avait été pris en captivité by the enemies. Par l'ennemi. All his things were stolen away by the enemies. Tous ses biens avaient été volés par l'ennemi. But when Abraham heard it, mais lorsque Abraham a appris cela, the Bible tells me, la Bible me dit, Abraham entered into war. Abraham est entré en guerre. Katutu, like you know, something baffles me. Quelque chose me surprend. Christians, les chrétiens, they think that to be born again les chrétiens pensent que être né de nouveau, is just to be holy. C'est juste être saint. To be born again être né de nouveau, is to become an army. C'est devenir un soldat. Is to become a military man. C'est devenir un militaire. A man and a woman of war. Un homme et femme de... Everyone has a destiny. Tout le monde a une destinée. Until you fight your enemies. Jusqu'à ce que tu combattes les and ennemis, you conquer them. Et tu les vaincs. You cannot enter your destiny. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Until Israel conquered Egypt. Jusqu'à ce que Israël conquiert l'Égypte. They wasn't liberated. Ils n'auraient pas été libérés. And until the walls of Jericho came down, et jusqu'à ce que les murs de Jéricho tombent, they did not possess Jericho. Ils n'ont pas possédé Jéricho. Many of us, plusieurs parmi nous, we have promised lands. Nous avons des terres promises. We have good things. Nous avons des bonnes choses. Destined by God. Destinées par Dieu. But we haven't possessed them. Mais nous n'avons pas possédé. Because why? Pourquoi? We haven't taken responsibility. Parce que nous n'avons pas pris la responsabilité. To enter into spiritual warfare. D'entrer dans le combat spirituel.
Some of us, certains parmi nous, we had good things that we are experiencing. Nous expérimentions des bonnes choses. But the devil stole it away. Mais le diable les a volées. We haven't seen them again. Nous ne les avons plus vues. Because we haven't entered into war. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas entrés en guerre. Warfare, le combat spirituel, is what guarantees our dominion, c'est ce qui garantit notre dominion, our restoration, notre restauration, and our possession. Et notre possession. Lift up your two hands to heaven this night. Deux, lift up your two hands to heaven this night. Deux, I decree as a man of en God, tant de Dieu, je décrète any power que toute puissance that has stolen away your glory, qui a volé ta gloire, that has stolen away your destiny, qui a volé ta destinée, the God of Abraham, le Dieu d'Abraham, the God of Isaac, le Dieu d'Isaac, the God of Jacob, le Dieu de Jacob, is bringing it back to you this night. I said, bring it back to you this night. It's bringing it back to you this night. In the name of Jesus, any power of darkness sitting upon your glory this night, I command them to wake up by fire. In the name of Jesus, anything they have taken away from you, begin to possess it. Begin to possess it. Begin to possess it. From this night, in the name of Jesus, amen. Amen. I'm going to believe amen. Amen. But there is a kind of power, mais il y a un genre de puissance, that we need to dominate, que nous devons dominer, before we can take our position of greatness. Avant de posséder notre grandeur. That power is called the power of witchcraft. Cette puissance s'appelle la puissance de la sorcellerie. It's called the power of witchcraft. Elle s'appelle la puissance de la sorcellerie. Let me tell us something. Laissez-moi nous dire quelque chose. There are forces of jealousy. Il y a les puissances de la jalousie. Witches, les sorciers, wizards, les sorciers, they are men and women of jealousy. Ils sont des hommes et des femmes de jalousie. They don't prosper. Ils ne prospèrent pas. And they don't want people to prosper. Ils ne veulent pas que les gens prospèrent. If he cannot get married, si tu, si ne peut pas se marier, he will say you too not get married. Il va dire que toi aussi tu ne vas pas te marier. If he cannot travel, si ne peut pas voyager, he too say you will not travel. Que toi aussi tu ne vas pas voyager. That is why God told Israel. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël. Thou shalt not suffer a witch to live. Que vous ne permettez pas à la magicienne de vivre. Hey, Katoto. You will not leave them to live. Tu ne vas pas les laisser en vie. If you allow them to live, si tu les permets de vivre, they'll tie your destiny. Ils vont attacher ta destinée. They'll tie your glory. Ils vont attacher ta destinée. I have always shared you testimonies of people. Je vous ai donné des témoignages des gens. There is a woman. Il y a une femme. That heard of me. Qui a entendu parler de moi. Some time ago. Il y a quelque temps. She was pregnant. Elle était enceinte. And that woman, et cette femme, she has never put to bed a male child. Elle n'avait jamais accouché un garçon. Anytime she's pregnant for a male child, chaque fois qu'elle était enceinte d'un garçon, she will have accident. Elle avait eu un accident. The child will go out. Et il y avait une fausse couche. And even if it's a girl child, même si c'était une fille, she will suffer. Elle allait souffrir. Before she put to bed. Avant d'accoucher. The woman heard of me. La femme a entendu parler de moi. The wonders of God through me. Les merveilles de Dieu au travers de moi. And the woman came to church. Et cette femme est venue à l'église. September. Au mois de septembre. It was the month of September. C'était au mois de septembre. She came to church. Elle est venue à l'église. And we started praying. Et nous avons commencé à prier. One Sunday. Un dimanche. Écoute, when a man of God speaks a word. Lorsqu'un homme de Dieu déclare une parole. Please catch it. Saisis cette parole. And believe it. Et crois en elle. Go then and apply it. Va et applique cette parole. I said a word that Sunday. Ce dimanche, j'ai dit. No witch. J'ai dit aucune sorcière cannot enter your house. Ne peut entrer chez toi. If a witch enter your house from today, si une sorcière entre chez toi à partir de the witch will die. Ils vont mourir. Mm. That was all I said. C'est tout ce que j'avais dit. She collected it. Elle a saisi ça. And went to the house. Et elle est rentrée à la maison. It was Sunday. C'était dimanche. That Sunday, ce même the same, there was a wizard in their compound. Il y avait une sorcière dans leur concession. Oppressing her. Qui le pressait, eating her children. Qui mangeait ses enfants. That night, la nuit là, she was pregnant. Elle était enceinte. And the wizard came. Et le sorcier est venu. To hold that child again. Afin d'arrêter encore l'enfant. The woman held her neck. Il a arrêté son cou. Held her neck. A arrêté son cou. She could not talk. Elle ne pouvait pas. But the Holy Ghost. Mais le Saint-Esprit. Put in her mind what I said. Ce que j'avais dit. What did your pastor say in church? Qu'est-ce que ton pasteur dit à l'église? She started saying it in her heart. Elle a commencé à dire ça dans son my pastor said in church. Mon pasteur a dit à l'église. If any witch enter our house, que si un sorcier quelconque entre dans the witch will die. Il va mourir. She was saying it in her heart. Elle disait ça dans son cœur. She was saying it. Elle le disait. Suddenly, et subitement, the man started releasing her. L'homme a commencé à la relâcher. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. Early in the morning, dès le matin, they picked that man dead. On a retrouvé l'homme là mort. In her room, in his room. Dans sa chambre. Dead. Mort. Écoute, tata.
And she put to bed stress free. Elle a accouché sans stress. Stress free. Sans stress. She celebrated it in the village. Elle a célébré ça au village. That was her first child. C'était son premier enfant. To put to bed without pains. Elle a accouché sans douleur. Hallelujah. Amen. Because the person that was oppressing her was gone. Parce que la personne qui l'oppressait était pas. There are some of you. Certains parmi vous. The reason why you are not succeeding. La raison pour laquelle vous ne réussissez pas. Is because some witches and wizards. C'est parce que des sorciers et des sorcières. Has made a vow. Fait le vœu. That you will never see good in your life. Vous n'allez jamais voir du bien dans votre vie. You will never get married. Vous n'allez jamais vous marier. You will never see something good come your vous way. Vous n'allez jamais voir quelque chose de bon. Anytime you engage in a good relationship. Chaque fois que vous engagez dans une something will just happen. Quelque chose va subitement se passer. And you separate from that relationship. Et vous allez vous séparer de la relation. Anytime you begin a good job. Chaque fois que vous commencez un bon travail. Something will just happen. Quelque chose va se passer. You see nothing good. Et vous ne verrez rien de bon. Because witches are working. Parce que les sorciers travaillent. I told you of a girl. Je vous ai parlé d'une fille. The uncle took her name. Son oncle l'a pris son and went to a native doctor. Et elle est chez un marabout. And said you will never get married. Et elle dit tu vas jamais. But when she came to church. Mais lorsqu'elle est venue à l'église. A prayer point came. Point de prière était there are some of you here. Certains parmi vous ici. Until you, your enemies will die. Jusqu'à ce que vos ennemis meurent. You will never get married. Jamais vous n'allez vous marier. She entered into prayer. Elle est entrée dans la prière. With her junior sister. Avec sa petite sœur. They prayed. Elles ont prié. After the prayer. Après la prière. The uncle died. L'oncle est mort. After a few days. Quelques jours après. The native doctor died. Le marabout est mort. Listen to God. Écoutez Dieu. Écoute ça. After their death, après leur mort, the two guests got married. Les deux fils se sont your own is coming this night. Vient, I say your own is coming this night. Vient, I say your own is coming this night. Vient, your own is coming this night. Vient, in the name of Jesus. Jesus. God says, suffer not the witch to live. Dit, ne permettez pas la sorcière de if you live with it, witches and wizards to live, les sorciers, en vie. You will never see good in your life. Tu ne vas jamais voir le bien en they are operating with dark powers. Ils opèrent avec les puissants des ténèbres. They operate with dark powers. Ils opèrent avec les puissants des ténèbres. And they use the dark power. Et ils utilisent les puissants des ténèbres. Cast spells on people. Afin d'envoyer le mauvais sort sur les gens. To cast spells on people. Pour envoyer le mauvais sort sur to les gens. To enchant people. Pour faire des envoûtements aux gens. To tie destinies. Pour attacher les destinées. To tie marriages. Pour attacher les mariages. And to block people. Et pour bloquer les vies des gens. From succeeding. Afin de ne pas réussir. According to the book of Numbers chapter 23. D'après le livre de Numbers chapitre 23. Numbers 23. Numbre 23. Verse 1 to 23. Verset 1 à 23. But when you look at verse 23. The Bible says there is no enchantment against Jacob. Il n'y aura aucun enchantement contre Jacob. There is no enchantment against Jacob. Il n'y a aucun enchantement contre Jacob. Tout ce bianta, olu kishkala jante iklo kishkatiara. There is no enchantment against Jacob. Il n'y a aucun enchantement contre this Jacob. This consciousness. Cette conscience là. That there is no enchantment against me. Il n'y a aucune incantation. Put you in charge. Te mets aux commandes. Put you in charge. Je mets aux commandes. These evil powers. Ces puissants maléfiques. They are ordained to tie destinies. Sont ordonnés pour attacher les. And manipulate stars. Et manipuler les étoiles. Not to shine. Afin de ne pas briller. And one thing is happening again with this kind of powers. Et il y a encore une chose qui arrive avec ce genre de puissance. They use it to operate signs and wonders. Ils les utilisent pour opérer des signes et des merveilles. They too use it to produce miracles. Ils les utilisent pour produire des miracles. These dark powers. Ces puissants des ténèbres. They operate miracles with it. Ils opèrent des miracles avec ça. Just to confuse people. Afin d'embrouiller les gens. And to win the hearts of people. Et de gagner les cœurs des gens. There are us, some of us men of God. Certains parmi nous, les hommes de Dieu, they are not using the power of the Holy Ghost. N'utilisent pas la puissance du Saint-Esprit. To operate signs and wonders. Afin d'opérer des signes et prodiges. They use dark powers. Ils utilisent les puissances des ténèbres. To operate signs and wonders. Pour opérer des signes et prodiges. Just to deceive people. Juste pour décevoir les gens. And to win them for Satan. Et les gagner pour Satan. Revelation. Apocalypse, chapter 13, chapitre 13, verse 13 to 14. Verset 13 à 14. Can we read it? Est-ce qu'on peut lire cela? Revelation, Apocalypse, chapter 13, chapitre 13, verse 13 to 14. Verset 13 à 14. Listen to the word of God. Écoutez la parole de Dieu. This power is also in the church. Cette puissance se trouve également dans l'église. To deceive people. Afin de tromper les gens. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceived them that dwell on the earth by the means of these miracles, which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth
that they should make an image to the beast which had the wound of a sword and did live. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Mm-hmm. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Now look at Matthew chapter 24 verse 24. Matthew 24, 24. The same thing that Revelation says. La même chose que l'Apocalypse dit. Jesus Christ said it here in the book of Matthew. Jésus-Christ a dit en livre de Matthieu. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Verse 24. Verset 24. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they should deceive the very elect. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Now, when you hear the Bible says, lorsque vous entendez la Bible, there shall be false prophets. Il y aura des faux prophètes. Which power would they use? Quelle est la puissance qu'ils vont utiliser? The dark power. Le puissant des ténèbres. Dark power. Le puissant des ténèbres. The power of witchcraft. Le puissant de la sorcellerie. To use it in church. Ils vont l'utiliser à l'église. To operate, not just miracles, pour opérer pas seulement les miracles, but great signs and wonders. Mais des grands signes et prodiges. That is what Revelation says. C'est pourquoi l'Apocalypse. The beast de la bête would give them power va leur donner la puissance to operate great signs and wonders. D'opérer des grands signes. They will even bring fire from heaven et vont faire descendre le feu in the eyes of men aux yeux des hommes to deceive them. Afin de les tromper. He came to steal, il est venu pour voler, to kill, pour tuer, and to destroy. Pour détruire. One of the ways l'une des moyens Satan uses today que Satan utilise aujourd'hui to steal people, pour voler les gens, to kill people, pour tuer les gens, and to destroy people, et pour détruire les gens, is through this dark power, c'est à travers ces puissants des ténèbres, signs and wonders, des signes et prodiges, in the church, dans l'église. When you see Christians that are going to native doctors, lorsque vous voyez les chrétiens qui vont chez les marabouts, those Christians are already associating with witchcraft. Ces chrétiens sont déjà en association avec la sorcellerie. They already have association with witchcraft. Ils ont déjà une association avec la sorcellerie. It is a shame. C'est une honte. For a Christian to be going to a native doctor. Pour un chrétien d'aller voir un marabout. It is a shame. C'est une honte. No matter your position in church. Peu importe ta position dans l'église. You die. You are going to hell. Si tu meurs, tu iras en enfer. Hell. En enfer. Now, I will come. When I will be going to heaven, I will greet you there. Lorsque je serai en train de monter au ciel, je vais vous saluer à distance. I will greet you inside hell. Je vais vous saluer dans l'enfer. And cross. Et je vais traverser. And continue to heaven. Et continue au ciel. Continue going to native doctor now. Continue d'aller chez Marabout non. Go. Allez-y. That was what made the anger of God to rise against King Saul. C'est ce qui a amené la puissance, la colère de Dieu à s'élever contre le roi. According to 1 Samuel chapter 28. D'après 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapter 28. 1 Samuel chapitre 28. When prophet Samuel died. Lorsque le prophète Samuel est mort. There was no other prophet for Saul to consult. Il n'y avait plus un autre prophète que Samuel. And because he did not have a good relationship with God. Et parce qu'il n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Because God rejected him in chapter 15. Parce que Dieu l'avait rejeté au chapitre 15. Now, he did not have any prophet to consult. Il n'avait plus aucun prophète à consulter. Saul went and began to speak with native doctors. Saul est allé commencer à parler avec des marabouts. Invoke evil spirit. Il est allé invoquer des esprits maléfiques. Dead spirit. Des esprits de nécromancie. And they woke up. Et ils se sont levés. And began to talk to Samuel, to Saul. Et ils ont commencé à parler à Saul. God's anger was against him. La colère de Dieu s'est levée contre lui. And the man died. Et il est mort. Like a rat. Comme une souris. He died like a rat. Il est mort comme une souris. When you associate yourself with native doctors. Lorsque tu t'associes avec les marabouts. When you associate yourself with fake prophets. Lorsque tu t'associes aux faux prophètes. You come under the anger of God. Tu te mets sous la colère de Dieu. You come under the anger of God. Tu te mets sous la colère de Dieu. Many people are not succeeding today.
Plusieurs personnes ne réussissent pas aujourd'hui. Because of their association with witchcraft. À cause de l'association avec la sorcellerie. Because of their association with native doctors. À cause de leur association avec les marabouts. Because some powers are manipulating them that they don't even know. Parce que certains puissants qui ne connaissent même pas les manipulent. They are being controlled by witchcraft. Ils sont contrôlés par la sorcellerie. They cannot see good. Ils ne peuvent pas voir le bien. Until they are destroyed. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits. You cannot see good in your life. Vous ne pouvez pas voir le bien. So you must be set this night. Vous devez être libéré cette nuit. We are going to pray dangerous prayers. Nous allons prier des prières dangereuses. Dangerous prayers. Des prières dangereuses. Against this witchcraft. Contre cette sorcellerie là. I don't care to know who they are. Je m'en fous de savoir qui. Even it is my mother. Même si c'est ma mère. Let her die. Qu'elle meure. I does not care. Je m'en fous. If it is my father. Si c'est mon père. I don't care. Je m'en fous. My Bible tells me. Ma Bible me dit. Suffer not the wish to live. Ne pas laisser vivre la sorcière. Suffer not the wish to live. Ne pas laisser vivre la if sorcière. They live, si vivent, I will die. Je vais mourir. But if they die, mais s'ils meurent, I will live. Je vivrai. Put that in your mind. Mets cela dans ta pensée. Witchcraft is so wicked. La sorcellerie est tellement méchante. They are very wicked. Ils sont tellement méchants. They don't pity people. Ils n'ont pas pitié des gens. They destroy destinies. Ils détruisent les destinées. They steal them. On les vole. They can sit in their kingdom now. Ils peuvent s'asseoir dans leur royaume maintenant. On their altars now. Sur leurs hôtels maintenant. Call your name. Et prononcez ton you nom. You appear on their altar. Tu apparais sur leur hôtel. They do anything. Et ils font tout. Some of you dream. Certains parmi vous rêvent. You dream, you see yourself in some kind of places. Vous rêvez, vous rêvez, vous voyez dans certains endroits bizarres. Your spirit goes out at night. Votre esprit sort la nuit. They use it in the night. On l'utilise dans la nuit. Walk on the spirit. On travaille sur votre esprit. And come and back it again. Et on ramène votre esprit. Things will block in your life. Les choses se bloquent dans votre vie. Things will not go well in you, with you. Et les choses ne vont pas bien pour vous. Because the powers of darkness have manipulated parce you. Parce que les puissants de ténèbres vous ont manipulé. Your dominion over them. Votre domination sur elles. Gives you your victory on earth. Vous donne la victoire sur la terre. When you cross them. Lorsque vous les écrasez. When you destroy them. Lorsque vous les détruisez. You enjoy the best. Vous jouissez du meilleur. Witchcraft power. Les puissants de la société. They need to be destroyed. Doivent être détruites. In your family. Dans votre famille. In your house. Dans vos maisons. In your life, dans votre vie, you need to curse them. Vous devez les maudire. You need to curse them. Vous devez les maudire. You need to crush them. Vous devez les écraser. You need to set them on fire. Vous devez les enflammer. Don't be afraid. N'ayez pas peur. If it is your mother, même si c'est ta mère, pray let her die. Prie qu'elle meure. If it is your sister, même si c'est ta sœur, let her die. Qu'elle meure. Except you like your condition. À moins que tu aimes ta situation. Maybe you like your condition. Peut-être que tu aimes ce que but tu me, I don't like my own condition. Moi, je n'aime pas ma situation. Hallelujah. Amen. I don't like my own condition. Moi, je n'aime pas ma situation. So if you want to continue to be a beggar. Tu veux continuer d'être un mendiant. I beg. I beg. Je t'en supplie. Today, the landlord drive you. Aujourd'hui, le bailleur te chasse. Okay. Oh. Okay. Today, your master slap you. Demain, aujourd'hui, ton mari te gifle. Quand? After tomorrow, marriage chakara. Et après demain, le mariage se casse. Uh-huh. You become pregnant. You give birth to children who are very stubborn. Tu donnes naissance à des enfants qui sont très têtus. Thieves. Des voleurs. Prostitutes. Des prostituées. If you like it. Si tu veux. Okay, don't kill them. Ne les tue pas. But if you don't like it, mais si tu ne veux you pas, have to cross them. Tu dois les écraser. Hallelujah. Amen. Witchcraft power is one of the spirits we are going to cross tonight. L'un des esprits que nous allons écraser. Before we take the second one. Avant de prendre le we are taking the first this night. Prenons le premier cette nuit. Witchcraft power. Le pouvoir de la sorcellerie. Witchcraft power. Le pouvoir de la sorcellerie. Forces that uses dark powers. Puissance qui utilise les pouvoirs de ténèbres. If it is a fake prophet. Même si c'est un faux prophète. Let me tell you people something. Laissez-moi vous dire quelque chose. I believe Sister Mispah. Je crois à la sœur Misma and Jocelyn. Et la sœur Jocelyn. They can testify me say here in this church. Elles peuvent témoigner que dans cette église. The Lord has revealed to me so many false prophets. Le Seigneur m'a révélé plusieurs faux prophètes. And some of them have come to kill me in visions. Et certains parmi eux sont venus me tuer dans vision. And I remember killing some of them in visions. Et je me souviens avoir tué certains d'entre eux. And I made a statement here some time ago. Quelque temps passé, j'ai fait une déclaration ici. I said. J'ai dit. One of them. L'un d'eux. That has always come to kill me in my vision. Qui est toujours venu en vision pour me tuer. Who is a man of God? Qui est un homme de Dieu. I destroyed him in one of my visions. Je l'ai détruit dans l'une de mes visions. The last vision I had. La dernière vision que j'ai. I destroyed him. Je l'ai détruit. And I make a statement here in church. J'ai fait une déclaration. I said I want to see. J'ai dit je veux voir. See if this year will end the person alive. Si cette année va finir et que cette personne. And not long ago. Et il n'y a pas longtemps. I saw a post on Facebook. J'ai vu une publication sur the Facebook. The picture of that man of God. La photo de cet homme de Dieu. They have published. On avait publié. They say he's falling all times. He's falling all time. On dit qu'il tombe tout le temps. That he is at the point of death. Il est sur le point de mourir. I laughed. J'ai ri.
Hallelujah. Amen. I laughed. J'ai they have struggled to destroy me. Ils se sont efforcés de me détruire. Not one time. Pas une fois. Not twice. Pas deux. I have told you. Je vous ai dit, there are things I go through. Il y a des choses que j'ai. I cannot tell you for all. Je peux pas tout vous dire. They have struggled to destroy this church. Ils ont fait l'effort de détruire cette église. Not one time. Pas une fois. Not twice. Pas deux fois. Not thrice. Pas trois fois. They have struggled. Ils ont fait tout. When you see at times people come and they will not come. Parfois lorsque vous voyez les gens venir, it is war in the realm of the spirit. C'est la guerre dans le règne de l'esprit. It is war in the realm of the spirit. C'est la guerre dans le règne de l'esprit. Because they know that here. Parce qu'ils savent qu'ici. I reveal nothing but the truth. Je ne révèle rien si ce n'est que la vérité. Nothing but the truth. Rien si ce n'est la vérité. I don't preach anything but the word of God. Je ne prêche rien si ce n'est la vérité. And I don't practice anything but the word of God. Je ne prêche rien si ce n'est la parole de Dieu. What they are implicating in other churches. Ceux qui sont impliqués dans d'autres églises. What the devil is putting in other churches. Ce que le diable fait dans d'autres églises. When he comes here. Lorsqu'il arrive ici. I say no. Je dis non. He's angry. C'est he wants to fight. Il veut combattre. But my God. Mais mon Dieu is alive. Est vivant. To fight for me. Pour combattre pour moi. He said the God is he that fight with you. Il dit le Dieu est celui qui combat avec toi. Hallelujah. Amen. So that power need to be destroyed in your life. Dans ta vie. If you must possess your possession, pour que tu puisses posséder tes possessions. If you must make heaven, si tu dois aller au ciel. If you must enjoy in this world, si tu dois te réjouir. So I want you to be set this night. Je vais être prêt. But there is one thing you need to understand. Mais il y a des choses que tu dois comprendre. If you are a Christian that is not born again, si tu es un chrétien qui n'est pas né de nouveau, or you are living in sin, ou tu vis dans le péché. You enter into war with the devil. Et que tu entres en combat avec le diable. The devil slap you. Le diable va te gifler. And paralyze you. Et il va te paralyser. He can even kill you. Il peut même te because tuer. You are his agent. Parce que tu es son agent. Why do you want to fight your master? Pourquoi veux-tu combattre ton maître? Why? Pourquoi? You hear that prime minister was fighting President Pobia? Est-ce que vous allez entendre le premier ministre combattre le président? Prison direct. Il va directement en prison. So when you try to fight the devil in sin, lorsque tu essaies de combattre le diable étant dans le péché, forget. Oublie. He said, Jesus, I know. Il a dit, Jésus, je connais. Paul, I know. Paul, je connais. Shosho, I know. Shosho, je connais. Ferdinand, I know. Pasteur Ferdinand, je connais. Who are you? Toi qui take slam. Man. Je fais pas. Not you in Jesus' name. Pas toi, okay. I said, not you in Jesus' name. Toi, I said, not you in Jesus' name. Toi, so it is an opportunity for you this night. C'est une opportunité alors pour toi cette nuit. To give that heart to Jesus. To open your heart and receive Jesus. Ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus. Maybe you were born again. Peut-être que tu étais né de nouveau. But you went to the world. Mais tu es rentré. And started practicing the things of the world. Tu as commencé à pratiquer les choses. You need to be reconciled. Tu dois te réconcilier. To Jesus. À Jésus. So that this night, afin que when you pray against witches and wizards, prier contre les sorciers, they will die. Ils vont mourir. They will die. Ils vont mourir. Hallelujah. Amen. Who is set for war? Qui est prêt pour le combat? Who is set for war? Qui est prêt pour le combat? And who is set to give his heart to Jesus? Son cœur à Jésus. Stand to your feet with me. Mets-toi debout. Stand to your feet with me. Mets-toi debout. Stand to your feet with me.